Savez-vous pourquoi il y a un cheval sur ce tableau? En fait, ce n'est pas un cheval, c'est une jument. Ce tableau a été peint en 1782 par le peintre d'origine suisse Johann Heinrich Füssli, qui se fit aussi appeler Henry Füssli lorsqu'il fut naturalisé britannique. Il en existe plusieurs variantes. Son titre est The Nightmare, le cauchemar en français. En anglais, night signifie nuit et mare signifie jument. C'est la jument sur laquelle le cauchemar chevauche dans la nuit. Et, comme sur cet autre tableau de Füssli, s'enfuit au réveil par la fenêtre. Le cauchemar désignerait donc cet incube accroupi sur le ventre de cette femme étendue. Est-elle morte ou dort-elle? A-t-elle été violée? Est-ce son rêve ou celui du peintre? Le tableau aurait été inspiré à Füssli par son amour malheureux pour cette jeune femme qu'il a peinte au verso avec de monstrueuses mains griffues. Freud possédait dans son bureau une gravure du cauchemar qui hantait aussi Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, dont la mère avait été amoureuse de Füssli. Henry Fuseli, he was my mother's first love. Füssli continue à influencer de nombreux artistes. On a même vu dans sa peinture à grand spectacle l'anticipation de nos films fantastiques